Hey, salut à tous les amis, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Harry Potter. Alors, on continue, on était dans le hall et on devait aller jusqu'au cours de botanique, un truc comme ça, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Le cours de botanique. Très bien, allons-y. Est-ce que c'est agressif? Encore toi, Potter? Tu visites le château, c'est ça? Non, je vais en cours, connard. Désolé pour toi, mais tu n'iras pas plus loin. Je ne te laisserai pas passer. Je te rappelle que t'as cours avec moi. Oh, Harry Potter est prisonnier du château. Et moi en mode aucune réaction. Ne jamais fous. Se laisser surprendre par les pétards surprises. Tiens, attrape. Ah d'accord, on va pas taper l'explosif. Merde. Faut pas que ça nous arrive dans alors la gueule, très bien. Ça d'accord. Putain. Célèbre le combo. Pas, tu ne passeras pas. Ah, attention. Ah meurs. Voilà, c'est bon. Putain, c'est tellement épique, je lui balance des pétards à la gueule, s'il vous plaît. Saute-moi au pied. Grenouille, viens là. Je vais faire des flippendo sur les armures, je sais pas. Non, même pas. Pas de flippendo sur les... Oh putain, la honte. La honte. Ça y est, tu l'as honte. Il y a pas de secret dans les coins du château, putain. La honte. Fais chier, quoi. Bon, on va aller dehors. Parc de Poudlard, très bien. Harry, par ici. Bonjour. Hagrid. Salut Harry, tu te souviens de moi? Hagrid, le garde-chasse. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Je vois que tu as fini par trouver le parc de Poudlard. Oh, j'arrive pas à croire à quel point tout pousse vite par ici. Ton ami Hermione t'attend à l'entrée de la serre. Passe prendre le thé chez moi quand tu auras terminé tes cours. Cool. Putain, au moins le type qui fait la voix de lui là, il met plus de conviction que celui qui avait fait la voix de l'autre là. Je sais plus comment qu'elle s'appelait, c'est pas Vivine, non, c'est qui avait une voix complètement minée. Bref. Qui c'est qui avait une voix complètement minable? Je sais plus. Je sais plus que c'était. Bonjour. Le cours de botanique a lieu juste derrière le jardin du professeur Chourave. Je vais attendre Neville ici. Je crois qu'il s'est encore perdu. Allez, Harry, tu ferais bien de te rendre en cours. Je sens que ça va être la galère, son jardin. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être la galère, son jardin. Bonjour, Ragonet. Ouh. Oh, plein de trucs. C'est bon, je l'ai tué. J'ai tué le dragonnet. Bon bah dommage. Voilà, il a plus rien à me donner. C'est marrant comment ça se voit mille fois quand il y a un truc. Oh mais rien, vous êtes sérieux? Y'a rien. Mais c'est en train de clignoter tout à l'heure. C'est joli la fontaine. C'est joli les petites fontaines. Hé hé, coffre magique. Ouvre-toi. Bon étranger qu'il y a dedans. Je sais qu'il est dangereux son jardin. Non, parce qu'il y a quand même des espèces de trucs dedans. Foutez les escargots de merde pour foutre des flippendo. Et vous êtes merde. Très bien, pousse-toi. Récupérer la grenouille. Ah merde.
Le porteur qui fait des siennes, très bien. Mais putain, mais quel fuir. Voilà, pousse-toi, toi. Toi là-bas, pousse-toi également. Pardon. Je vais ramper dessus carrément. J'aime pas les scars. Oh lieu, là que je suis malade. Aïe 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 aïe. Ah je l'ai tué. Non genre ça fait comme dans Mario. Si tu sautes dessus ça le tue. Mais j'ai pris masse dégâts. Enfin, j'ai pris les dégâts à cause du fait que j'ai rebondi sur cette espèce de... Je crois que c'est une espèce de sève. C'est un escargot de feu. Donc je crois que c'est son espèce de sève. Enfin le truc qu'il laisse derrière lui là. Ça traînait apparemment elle brûle. Ouais. Attends les mecs. On est d'accord. Il avale l'eau. Là ça remonte. Les particules remontent vers le haut. J'ai pas rêvé. Très bien, donc il y a une fontaine qui crache de l'eau, une fontaine qui la ravale. Vive le monde de la magie. Bonjour l'île de sauvegarde. Hop. Comment va? Là ça va avoir des bruits dégueulasses en fait. Il fait pas tout ça. Moi. On va aller là-bas. Très bien. Un labyrinthe, oui. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Je sais pas moi éliminer ces choses. Est-ce que ça s'élimine seulement? Ah! Lâchez-moi les plantes. C'est un Alomora ça. Oh. Un dragonnet. Formidable. Oh putain. Oh il fait pop des trucs. Oh. Sauce magique. Viens là toi. Ouais. Putain formidable. Il fait pop plein de trucs. Il est génial ce dragonnet. J'aime bien ce dragonnet. J'ai pas vérifié s'il y a les autres secrets. J'ai fait le con. C'est vrai que j'ai envie de dire, il y a beaucoup de secrets dans ce jeu. Ça, à mon avis, ça va être la sortie d'un autre. Excusez-moi les plantes, pardon, excusez-moi. J'essaie de me coller au mur parce que apparemment leur hitbox elle a l'air un peu spéciale. J'ai l'impression que si je me colle au mur, je vais pas le sentir. Bonjour, passage secret. Cool. Il y a des dragons qui avalent les particules d'eau. Ah, il y en a vraiment qui les jettent et il y en a qui les avalent. Die. Allez, c'est si compliqué que ça. Y'a quoi ici qui soit si rare et après que ce soit protégé par des gobelins. Saleté, il me pique mes dragées. Il me pique mes dragées. Voleur de merde. Voilà. Là, il y a plein de trucs comme ça. Très bien. J'aime pas ce gobelin brun. Il m'a volé plein de trucs. On sort comment? Là, il me voit. Bonjour. Comment va? Je vous ai un peu éliminé, à ce qui paraît. Oh, bah, très bien. On va repasser par là. Attends, non. On va pas passer par là, parce qu'on est déjà passé. T'es un peu violent, toi, par contre... Oh putain, merde. On va par où, là? C'est vraiment un putain de labyrinthe, en plus. Lâche-moi. Bon. Ah, là, il y a un trait. Ça veut dire qu'il y a un passage. Je vois pourquoi je le sens. Bien que ça va. Là-dessus.
Allez, ça a ouvert la grille. C'est un génie. J'ai failli aimer l'accueil. Il y avait comme une plante qui m'a voulu directement d'entrer. Putain, fait attention en plus. Pourquoi cette chain kill? Une dragée qui traîne. Le cinéma qu'est tout à l'heure. C'est juste 4 dragées, putain. Tout ça pour 4 dragées surprise de Bertie Crochu. Vous foutez de moi? Ce dragonnet pour 4 dragées, quoi. Ils sont pas spécialement rentables au passage secret, hein. Bon, ça va, Corsu était pas super long. Alors là-bas, il y en a un autre par contre. Excuse-moi, pardon. Aïe, oh, l'Xbox. Allez, j'ai sauté, donc t'as pu me rien me faire. À partir du moment où on saute, on est magnifique, apparemment. Il n'y a rien ici. Il y a du mob. Oui, il y a une choco-grenouille. Très bien, j'ai pris la choco-grenouille. Bon, bah écoutez, on est arrivé normalement. Tac. Ah, la serre, la fameuse serre. Très bien, oui, un coffre. Ouvre-toi, coffre. Ok, et c'est quoi ce coffre qui me troll? Ouvre-toi! Lui, le dragé, très bien. Bonjour, le dragé. Oh non, 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 what the fuck? Non mais... d'absolument partout. Déjà trouvé les 25 dragées? Bah ouais. Merci de nous avoir aidé, Harry. Tiens, voici une carte des sorcières et sorciers célèbres. J'espère que tu ne l'as pas déjà. J'adore la musique. Allez, viens, George. On a du pain sur la planche. C'est la musique, mais il y a marqué attention, on va te troller, quoi. Bon, alors lui, c'est Goldrick Gryffondor, je suis sûr et certain. En plus, ouais, ça y est, à peu près à dire Gryffindor, ouais. Allez, Goldrick Gryffondor, sa mère! Voilà. C'est pas trop mal, ça. Y a pas moyen de les voir encore, de les faire bugger. Faut pas sa tête qui dépasse, non, tant qu'on y est. Non? Bon, bah voilà. Bon, bah dommage. Je vous aurais un peu fait dégueuler avec la caméra. On va éviter de rentrer dans la serre. Je voudrais explorer un peu de l'autre côté. Oh! Oh. Fais le tour de la serre et voir des choses magiques, des choses incroyables, des choses magnifiques. Allô, Mora. Tu regardes, très bien. Et l'autre, tu regardes, il te regarde. Du coup, ça ouvre. Oh, ça fait pop une carte. Un moine. Et le professeur de botanique, le premier du monde. Il a réussi à survivre à une racine de mandragore. On va dire ça comme ça. Il est devenu bleu après. On ne saura jamais rien. Non mais j'en lirai. Il faudrait que je lise un peu le folio magie pour qu'on se marre un peu. Parce qu'il y en a qui ont vraiment des descriptions horribles. Par contre, je pense que là, le prochain livre de sauvegarde... Je pense que je vais vous laisser. Réussis le cours d'enchantement, cours de botanique. Bienvenue, jeune sorcier. Je suis le professeur Chourave. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lancer un sort d'incendio qui vous servira à vous protéger contre toutes sortes de plantes dangereuses. Oh. C'est cool, ça. Mémorisez bien le symbole d'incendio. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et reproduisez le modèle. Ensuite, relâchez le bouton. Ça va, c'est pas trop compliqué cette merde. Ah merde, je dépasse partout.
Putain, ça a l'air ultra chaud. Putain, ça va être ultra chaud. Mais il est carrément trop chaud, ce symbole. Un incendio digne d'un grand sorcier, Harry. J'ai même pas fait un 95. J'accorde 5 points à Gryffondor. Je crois que j'arriverai jamais au 95. Essayez d'être si j'arrive au 80, c'est pas mal. Je crois que j'ai une partie. Ah non, c'est bon. Ah, 89. J'arriverai au 80, je pense. Chaud, mais j'y arrive. Mais le 95, ça fait une croix dessus, je l'aurai jamais. C'est bon, les 20 points Gryffondor, c'est pas possible avec l'incendio. Voilà. Ah, oh, 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 oh. 99, sa mère, je suis à quasiment 100%. Bon, j'ai trouvé le pattern. On peut essayer de le refaire. Même si j'aurai pas le temps. Là. J'accorde 15. J'ai trouvé le pattern. C'est bon. Essayez d'être un peu plus rapide cette fois. Allez. Ben, ceux qui ont joué sur console, je sais pas comment vous avez fait. Oh oui! Allez, like a boss! Pile 95. Stupéfiant pour un élève de première année. Bah là, je t'ai cramé toute la grange, là. Hein. Là, je t'ai cramé toute la serre, là, je t'ai cramé toutes tes plantes, tout ton jardin. Hein. 50 points! Ah non, oui, d'accord, c'est le résultat, ok. Je me disais, merde, 50 points d'un coup, elle est folle. Bon, bah très bien. Passons maintenant à l'exercice d'incendio. Franchissez les portes, Harry. Attends. Je vous observerai depuis le balcon. Les portes sont au fond de la serre. Le fond de la serre, on l'a déjà passé, il n'y a pas de porte. À moins que sa serre soit vraiment très grande. Voici des buissons d'épines. Vous pouvez leur lancer un maléfice d'incendio, mais reculez tout de suite après pour éviter leurs épines. Mec. Incendio. Ah oui, d'accord. Aïe. Putain, l'enculé. Incendio. D'accord, il balance des épines à la gueule. Ok, très bien. Ma mère, j'avais pas vu le deuxième. Ah. Je parie que si tu t'en approches, il te tire dessus. Non, il te fait rien. Donc, autant pas les tuer. Enfin, autant. Autant les ignorer s'ils te font rien. J'ai envie de dire. Par contre, je sais pas si on aura le temps de faire toutes les preuves parce que là, je vais devoir arrêter. En pas longtemps. Voilà. Ah, il y a un livre de sauvegarde ici. Ce serait rentable pour moi de le prendre là maintenant. Oui, je pense qu'on va arrêter. Je vais arrêter là. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Et on reprendra la session cours de botanique dans le prochain épisode. Voilà. Je pense qu'on va faire ça. Juste vérifier que j'ai bien le timer. Tac tac. Parce que comme je n'ai pas de timer depuis hier, j'ai pas de timer. Donc je fais un petit peu au pif quoi. Et là je pense que ça fait déjà 20 minutes. Je vais regarder vite fait et je vous retrouve juste après. Hop, mettre le menu. Et voilà. Et re les amis, bon on a encore un petit peu de temps. En vérité, on a encore 1 minute 30. Donc je vais peut-être la finir au final. Coucou. Comment t'as fait pour rentrer sur ce balcon, y'a pas de porte. C'est une espèce caractéristique de tentacula vénéneuse. Lancez-lui. À présent, récupérez les étoiles pour achever votre leçon. Allez, ne perdez pas de temps. Non, non, je vais d'abord vous parler de ces petites vénéneuses. Non, mourez les buissons. Mourez. Brûlez tous. Voilà, je déteste les buissons. S'il y a des écolos qui me regardent, vous allez détester ce jeu. On s'amuse à massacrer des buissons dans chacun des épisodes. À partir de maintenant. Alors le pire, c'est que c'est vraiment plus utile contre les tentacules. C'est ça qui va me servir le plus. Est-ce que je peux sauter dessus maintenant? Yeah. Ah merde, putain, enculé. Enculé de buisson qui n'avait pas arrêté de... Enfin, qu'on n'avait pas fané. Voilà. Tes trucs. Bonjour Choura, comment va? Je récupère un peu tout. Je permets, je fais tout. Putain, vas-y. C'est facile de grimper sur les coffres. C'est bien pratique. What the fuck?
Texture buggée, texture buggée, texture buggée. Pardon. Excusez-moi, je me sens pas obligé sur les textures buggées. Ah non, mais là c'était buggé. Rien, on fait pas tout de suite merde. Oh. What the fuck? What? Oh, c'est sombre. Attendez, on va peut-être augmenter un peu la luminosité pour cet endroit-là. Voilà, ça va être un petit peu énorme là. Voilà. Oh, une caverne. Remplie de... Maléfique petit butin. C'est le bureau de Shurav. Ah non, c'est le bureau de lui. Un vieux. Un gros. Avec une moustache. C'est relativement faible. Très bien. Ça c'est cool, c'est classe cet endroit. J'aime bien. Il y avait rien d'avoir la luminosité à fond, vraiment, pour que je vois un peu la gueule du truc. Attention les yeux. Ah ouais, regardez la gueule du délire. Voilà comment ils ont programmé la salle. Très bien. C'est dégueulasse. Alors, je vais vite enlever la luminosité parce que ça va niquer les yeux sinon. Reviens normal. Voilà. Là, c'était bon. Parce que sinon, on voit vraiment rien. Cette salle est très sombre. D'habitude, on voit plutôt bien, j'ai envie de dire, dans le jeu. C'est vrai que j'ai pas eu vraiment à régler la luminosité. C'est plutôt bien foutu. Bon, bah là, je crois que je vais vous laisser par contre. Parce que du coup, c'est la dernière ligne de sauvegarde avant la fin. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? Un arbre, des choses, des étoiles, une fille, Vivi. Bon. Ok. Là, vous savez quoi? Vous saurez tout ça au prochain épisode. Voilà. Allez, sur ce, on va juste regarder un peu le folio Maggie, on voir la gueule des trucs. Donc, Albus Dumbledore, actuel directeur du collège Poudlard, machin, plus consensé étant moderne, ok. Tilitok, extinction de l'ordre de Merlin, ok. Burdock Muldoon, président du conseil des sorciers. Albert Waffling, c'est le théoricien de la magie. Ulrich le folingue, sorcier très excentrique et célèbre, entre autres pour avoir toujours porté une méduse en guise de chapeau. Cool, formidable, t'es un génie toi. Cornelius Agrippa, c'est le sorcier emprisonné par les moldus en raison de ses écrits. Ah, d'accord. Norbert Ragoneau, vit encore, auteur du célèbre livre Vie à habitat des animaux fantastiques. Oh, Dragonnet. Non, Samander, Newt Samander. Godric Gryffondor, date inconnue, Moyen-Âge, cofondateur du collège Poudlard, donna son nom à l'une des quatre maisons. Normal. Et le dernier, on ne l'aura pas tout de suite. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas également à vous abonner pour suivre le reste de l'aventure. N'hésitez pas à commenter l'épisode dans la section commentaires juste en dessous. Et également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, comme ça vous aurez... Vous serez au courant de la dernière sortie directement. Voilà. Allez, sur ce, salut à tous et à la prochaine. Allez, hop.